Et je transmets ce ravissement, si je puis dire, de la part d'Ombre Blanche et de la médiathèque. Nous sommes ravis de vous retrouver, je le dis, et surtout d'accueillir Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, dont je vais faire les présentations si besoin en est. Il y aurait de quoi faire un autre livre, tellement ce monsieur a fait de choses. Dramaturge, metteur en scène, cinéaste, réalisateur télé. Il dirige, comme vous le savez, le Rond-Point depuis le théâtre du Rond-Point depuis le 2002. Auteur, metteur en scène d'une vingtaine de pièces. Je ne vais pas toutes les citer, mais on pourrait parler des Fraises musclées, de Tout contre un petit bois, de Théâtre sans animaux qui a obtenu le Molière de la meilleure pièce comique et du meilleur auteur. Musée haut, musée bas, 7 nominations au Molière, Molière de la révélation théâtrale pour Michel Lescot. Metteur en scène, j'ai dit, de Bataille coécrit avec Roland Topor, dont il est question dans Mille et un morceaux, bien évidemment. Un garçon impossible, les dialogues de Roland Dubillard, les nouvelles brèves de comptoir adaptées du recueil de Jean-Marie Gouriot, mise en scène et écriture avec René Lénervé, un opéra bouffe et tumultueux, mise en musique par Einar Wagner. Au Théâtre du Rond-Point en 2012, il a recréé Théâtre sans animaux et mis en scène L'origine du monde de Sébastien Thierry. Télévision, on le connaît aussi pour ça. Il a écrit et réalisé de nombreux téléfilms et les deux séries cultes Merci Bernard et Palace. Cinéma, maintenant, il a écrit et réalisé Rien ne va plus, La Galette du Roi, Chacun pour toi, Musée haut, Musée bas. Collaboration avec Alain Resnais autour du film Cœur, sélectionné au Festival de Venise 2006. En 2013, le film Brève de comptoir, toujours adapté avec Jean-Marie Gouriot. On passe au livre maintenant. Il a imaginé Le rire de résistance, deux volumes pour saluer ceux qui ont résisté à tous les pouvoirs par le rire. Il a publié également un almanach invérifiable mois par mois. Mois, au début, c'est MOIS et le deuxième, c'est MOI, mois. Une série de photographies rapportées de ses séjours en Asie. Les nouvelles brèves de comptoir, j'en oublie forcément. Je peux aussi parler de, dans la collection Le goût des mots, dirigée par Philippe Delerme, Les mots que j'aime et quelques autres. Et je me lance pour terminer dans une succession de prix, mais il me pardonnera d'en oublier là aussi. Prix des jeunes auteurs SACD en 75, Grand Prix de l'humour noir, Molière du meilleur auteur francophone, le prix Plaisir du théâtre en 2001, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2002, le Grand Prix de la SACD en 2011. Ce qui fait une vie très remplie, très fournie, très riche. Ça fait un peu maréchal soviétique. Votre phrase le prouve, tout ça ne vous empêche pas de ne pas vous prendre au sérieux. Ce qu'on comprend à la lecture de cet ouvrage, Mille et un morceaux, je ne peux pas appeler ça des mémoires, ça vous plairait pas, ça, ce mot-là. Non, c'est-à-dire qu'aucun mot ne me plaît parce que c'est un objet un peu. Sorte de cadavre exquis de choses qui me sont revenues. On me poursuit depuis plus de 15. Est-ce qu'il marche le micro? Ouais. Non. Eh bien, prenez le mien. Non, mais peut-être le monsieur. Là, c'est mieux? Bon, allez, si vous ne m'entendez pas, vous ne perdez rien non plus. oui, non, ça fait des années qu'on me demande de raconter, tout ça, mais moi, tout ça que je refuse, donc voilà. Et puis, il y a une éditrice qui avait édité le livre de mon ami Gérard Garros qui s'appelait L'Intranquille, qui était une espèce de souvenir comme ça, qui a fini par me bousculer comme ça. Je lui ai dit, vous savez, moi, j'ai plusieurs vies, ça sera 1000 morceaux. Elle m'a dit, bah, très bien, ça. Et finalement, petit à petit, je me suis mis à non pas me dire je vais raconter ma vie en essayant de la résumer, en essayant de savoir où je suis né, en essayant de faire un tour complet de mon nombril. Non, j'ai laissé remonter d'une manière libre, par association d'idées, des choses qui me revenaient comme ça. Donc ça fait, si vous voulez, une espèce de mosaïque sans chronologie où je mets autant d'importance, en effet, vous évoquiez le film Cœur que j'ai écrit pour René, pardon, la formidable collaboration que j'ai faite avec Alain René, au même endroit que mon goût pour les lanières de Guimauve, vous voyez, par exemple. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un livre, comme dirait, pardon de cette comparaison immodeste, mais
Montaigne par Sceaux et Gambade. Et c'est vrai que je me suis amusé à l'écrire tout en respectant les choses. Tout est vrai. Mais je me suis amusé. Et puis, finalement, je me suis écarté de moi. J'ai oublié que c'était de moi dont je parlais. Et de temps en temps, je trouvais ce type assez épatant. Et je me disais, c'est moi. Et de temps en temps, est-ce qu'il vous arrivait de vous agacer à l'inverse? Oui, mais quand je m'agaçais, j'arrêtais d'écrire. Vous venez de dire « tout est vrai ». Or, dans ce livre, il y a marqué « n'aime pas, je n'aime pas le vrai ». Et à tel point que justement, quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais est-ce que quelque part, les faits, on les connaît, enfin, en tout cas, on en connaît certains. » Mais je me suis dit « est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de réinvention, justement ?» Non, c'est-à-dire que vous mettez le doigt sur un point important. En effet, je n'écris pas des choses, qui partent de faits réels. Je ne fais pas partie de ces écrivains qui disent « tiens, j'ai lu dans le journal qu'il y avait eu ça, tant de morts à Tchernobyl, ou je ne sais quel assassinat là, ou tout d'un coup quelqu'un qui a eu une histoire d'amour formidable, et ça ferait un bon film, ça ferait une bonne pièce, ça ferait ça. » Pas du tout, là ça me bloque. Moi, je suis quelqu'un qui écrit en entendant le matin, quand je me réveille, les choses qui me sont probablement passées par la tête. Et j'entends parfois une voix, quelqu'un, une réplique qui m'amuse, et puis quelqu'un d'autre répond, etc. Je suis entraîné plutôt par des personnages. Je suis un peu parlé plutôt que je parle moi-même. Mais bon, et donc, ça parle. Alors, évidemment, c'est comme un nuage qui pleut, comme ça. Et puis, la pluie coule. Alors, la pluie, elle est quand même... Ce nuage, il est dans la société. Il est quand même... Il capte quand même les choses de la réalité, mais il ne les dit pas, il ne les explique pas. Je ne fais pas partie, en effet. Je suis des gens qui pensent que la vérité et les gens qui disent vraiment le monde sont ceux qui l'inventent. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on connaît vraiment bien le 18e siècle à travers les premières gazettes et les premiers comptes rendus juridiques, etc. Je crois qu'on connaît vraiment ce qu'a été le 18e siècle à travers Beaumarchais, à travers Voltaire, à travers Diderot, etc. À travers les artistes, pour le dire oui, en un mot. Mais qui inventent, c'est-à-dire ils inventent, enfin ils croient inventer, on invente quelque chose pour vous parler du vrai. Je ne sais pas très bien ce que c'est que le vrai. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Il y a 70 personnes, comme disait Pirandello, à chacun sa vérité, ou comme disait Nietzsche, l'art nous protège de la vérité qui tue. Parce que cette volonté d'être tout le temps dans la vérité, il faut que ce soit exact, il faut que ce soit comme ça, c'est la réalité. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de pas très contraignant, de pas très étouffant, et surtout qui n'est pas exactement, probablement, la vérité. La vérité, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on vit, et ça peut être multiple. De la même manière, là, on vient de parler du distinguo vrai-faux, il y a une autre distinction que vous faites, vous mettez les choses au point, vous dites « je ne suis pas écrivain, je suis auteur ». C'est quoi la différence? Bon, là je le dis, on aurait pu lire le texte, ça aurait été plus vite, mais je dis « je ne suis pas écrivain, je suis auteur pour parole, auteur, ça va plus vite ». C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à faire l'entourage psychologique et les descriptions des écrivains. Ils referment à la porte, dit-elle avec un sourire radieux, quand le ciel se mit à... devenir sombre, il entra. Non. Moi, c'est vrai que c'est plus des dialogues, ça va plus vite, c'est-à-dire que j'écris pour la voix, j'écris pour les choses qui se disent, j'écris pour le dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est un mélange très exact entre de la viande et de l'esprit, c'est-à-dire que... C'est joli. Comment ? La formule est très jolie. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous lisez un livre, vous êtes assis, et tout ça rêve, etc. Il n'y a pas de problème. Le dialogue, quand les acteurs parlent, c'est la viande. C'est la viande parce qu'il faut qu'il bouge. Si on dit une phrase sans la bouger, sans la rythmer, elle n'existe pas. Et il faut qu'il la pense. Parce que si une phrase n'a pas d'esprit, n'a pas de sens, ça n'existe pas non plus. Mais s'il n'y a ni le mouvement, ni la pensée, ça n'existe pas. Or, le dialogue est l'endroit où tout d'un coup, on dit « mais alors comment ça va ?» Mais quand je dis « mais alors comment ça va ?», ça ne peut marcher que si je vous pose une question pour vous demander comment ça va, mais il faut que je fasse le geste pour y accompagner le sens. Et c'est vrai que c'est très musical, que les auteurs de théâtre sont des gens qui sont proches souvent de compositeurs, parce qu'il y a, dans l'écriture dramatique, il y a une partition tellement importante que Feydeau mettez des notes de musique sous certaines de ses répliques. Par exemple,
quand il y avait des onomatopées, quand il y avait « oh, oh, oh », il mettait les notes, parce que si quelqu'un disait « oh, 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 oh », ça ne marchait pas. Oui. Il fallait que ça soit « oh, oh, oh », et là, ça avait la signification. Pour vous montrer à quel point la partition musicale est écrire pour la voix n'est pas écrire, n'est pas, c'est être auteur. On dit auteur dramatique, on ne dit pas écrivain dramatique. Écrivain maîtrise totalement le monde, les décors, les pins, la mer au fond, le petit enfant qui crie, l'assassin qui arrive, etc. L'auteur dramatique, il est dans simplement l'action de la parole, et c'est la parole qui détermine à la fois le personnage, qui détermine son caractère, et il n'y a pas l'ensemble. Alors après, il faut des gens, il faut un décorateur, il faut un costumier, il faut tout ça. Mais vous dites, justement, ça fait écho à ce que vous venez de nous déclarer, vous dites que vous aimez vous laisser dépasser. Oui. Mais c'est un état de comment se laisse-t-on dépasser ? On se laisse dépasser parce qu'on est entraîné par... Moi franchement, par exemple, je le dis souvent, j'adore les embouteillages. Je suis un des rares êtres humains qui adore les embouteillages. Bienvenue à Toulouse. Oui. Je vous rassure, je reviens du Liban. Et je vous assure qu'à Beyrouth, pour faire 100 mètres, parfois on met une heure et demie. Donc, je dis ça parce que d'un coup, il y a le calme, on s'arrête, on est bloqué, on sait bon, et on peut commencer à penser. Alors, on rêve, et tout d'un coup, il y a une imagination qui vient, il y a un personnage qui parle, vous dites tiens, il pourrait aller là, il est à côté, il pourrait sortir, et puis vous le suivez, et il vous emmène. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tout d'un coup, vous devenez maître de ce que vous faites, la pensée, moi je dis toujours, quand le sens apparaît, je m'arrête d'écrire. Si tout d'un coup, vous dites, ben voilà ce que je veux dire, les machins ne sont pas bons, ça c'est les mauvais, ça c'est les méchants, le message absolu, la direction autoritaire, la volonté de dire, ça s'arrête, ça s'éteint. Il n'y a plus l'invention, il n'y a plus la créativité. Alors, évidemment, je fais partie d'une école d'écriture, si toutefois c'est une école qui part plutôt du dadaïsme, du surréalisme, qui va après vers Beckett, vers Ionesco, etc. Des gens qui tout d'un coup, voilà. C'est vrai que dans Théâtre Sciences Animaux, pourquoi un matin, à 9h du matin, il y a un stylo bille de 6 mètres de haut qui rentre dans un salon avec une famille qui se dit qu'est-ce qu'il fait là ? C'est vrai que c'est plutôt... Voilà, c'est vrai que ça m'a amusé, c'est le décorateur dans la maquette a mis son stylo. Du coup, j'ai dit, c'est extraordinaire ce stylo au milieu du salon. Et j'ai raconté une histoire autour du stylo. Mais si vous voulez, ça ne part pas. La réalité est quelque chose que je trouve sans intérêt. C'est-à-dire que si c'est pour montrer au théâtre, au cinéma, ce que les gens vivent toute la journée, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en plus, je crois que notre petit boulot à nous... soi-disant, entre guillemets, artiste, c'est de casser cette réalité, c'est d'offrir autre chose, c'est de pas, je dis toujours, on nous dit, il faut regarder la réalité en face, mais quelle réalité ? Et j'aime cette phrase de Skutner, que je répète beaucoup, qui était un surréaliste belge, qui dit, il ne faut pas regarder la réalité en face, il faut la regarder en farce, il faut regarder la réalité en farce. Sinon, on est étouffé. On est étouffé par les gens qui savent, on est étouffé par les règlements, on est étouffé par les raisonnements, on est étouffé par les morales définitives. C'est-à-dire qu'on est encadré d'un certain nombre de règles qui fait que tout d'un coup, votre espace de liberté est extrêmement, extrêmement diminué. Et je pense que nous, ce qu'il faut, c'est faire des sites de secours, casser tout ça, montrer qu'il y a des cieux ailleurs, montrer qu'on peut sauter dans le vide, montrer qu'il y a d'autres planètes, montrer qu'on peut rire de choses qui, soi-disant, sont sacrées. Voilà, et je crois que c'est ça l'oxygénation. Il faut déranger un peu la calcification du monde et des idées. Il faut les déranger pour qu'on puisse s'oxygéner. Je crois que c'est un peu... Enfin, moi, c'est ça qui m'amuse, sinon... Est-ce que je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais est-ce que ce n'est pas aussi pour échapper à la mélancolie ? Dans ce livre, moi, j'ai découvert un Jean-Michel Ribe qui, effectivement, ne tait rien de ses angoisses, est passé par un épisode dépressif terrible. Mmh. Et voilà, on a quelqu'un qui est à fleur de peau. Oui, mais bien sûr, c'est une défense, bien évidemment. Mais je pense que le grand rire, les choses les plus incroyablement... qui vous font éclater, qui sont les plus drôles, ne sont qu'une espèce de revanche sur un désespoir, ne sont qu'un échappatoire au malheur. C'est retrousser le malheur pour en faire du bonheur. C'est une lutte permanente. Mais d'ailleurs, les gens qui n'ont pas
forcément malheureux, mais donc qui n'ont pas une mélancolie, qui n'ont pas l'angoisse, qui n'ont pas un rapport à la vie difficile, ne sont en général pas des grands comiques, oui, pas des grands humoristes. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Si quelqu'un glisse, le fameux gag du type qui glisse sur une peau de banane et tombe, s'il se fait pas mal, c'est pas drôle. Si c'est du plastique et que tout le monde fait ah, c'est pas... Donc, il y a tout. La grande comédie, c'est tragique. Vous inversez. Les pièces de Feydeau sont tragiques. C'est des massacres sentimentaux, c'est des massacres familiaux, sauf qu'il s'en sort en tournant ça en ridicule. C'est évident. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé, qui est très peur, qui tremble parfois, etc. Mais je monte sur mon cheval, je mets ma cuirasse de « Ah, vous allez voir ce que vous allez voir », je vais ridiculiser tout ça, je vais essayer d'en faire quelque chose qui fait que ça va être absurde, que ça va... Voilà, je me bats avec ça. Alors, ça donne parfois quelques pièces ou quelques films qui fait que les gens, ça les aide à vivre aussi. Et cette espèce de médicament, ça fonctionne le temps de l'écriture ou ça dépasse ça ? Est-ce que... Alors, c'est vrai que le temps de l'écriture est un temps double. L'écriture, moi j'écris le matin, mais l'écriture, quand ça ne vient pas, c'est horriblement douloureux. C'est comme, je suppose, si une femme voulait accoucher, qu'elle n'était pas enceinte. Mais par contre, quand ça vient, quand tout d'un coup, l'accumulation d'un certain nombre de choses qui vous ont sans doute inconsciemment habité se remettent en place, se battent, et tout d'un coup, ça vient, ça coule, que vous riez de ce qui vous a fait mal, que vous apercevez que ce qui vous a été horriblement difficile à supporter devient complètement grotesque et complètement ridicule, ou en tout cas émouvant parce que beaucoup plus simple que vous ne croyez. Là, c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Ça, c'est un vrai bonheur quand ça se passe comme ça, mais ça se passe pas toujours comme ça. Oui, il y a notamment une scène qui est fabuleuse, dans laquelle vous parlez de votre manque d'inspiration qui devient terrible sur Jackie Paradis. Oui. Et pour situer, je vous laisse surtout en parler, il découvre l'affiche qui annonce la pièce de théâtre qu'il était censé avoir écrite. Sauf qu'il ne l'a pas écrite. Oui, c'est-à-dire que c'est Jean Mercure qui était directeur du théâtre de la ville à l'époque. J'ai réécrit d'ailleurs au début un petit événement avec un chat et lui. Oui, au tout début du livre. Ouais. Je te raconterai ça quand même. Et qui m'avait dit est-ce que tu as une pièce ? J'ai envie que tu fasses quelque chose chez moi. C'était l'arrivée du théâtre de la ville, grand théâtre à Paris, nouveau théâtre, c'est vraiment le pape, il fallait être là de ça. Il me dit dans un an et demi, il faut que je programme. Alors je lui dis, il me dit, tu as une liste ? Je lui dis non. Il me dit, mais une idée ou pas ? Je lui dis, attends, je vais réfléchir évidemment. Trois jours après, je lui apporte vaguement une idée d'un jeune révolté qui veut faire la révolution à Paris, qui se retrouve comme aboyeur dans une boîte de striptease et tout ce qu'il peut faire, etc. Tout ça est tragique, il finit par se foutre en l'air, etc. Bref, j'écris 20 pages, il me dit très bien, c'était au mois de juin. Et moi, après, je partais faire à peu près le tour du monde de septembre à mars. C'était en 76-77, avec des tournées en Amérique du Sud, etc., de deux de mes pièces. Et je zappe complètement le fait que j'ai dit que j'allais écrire cette pièce. Complètement là-bas, on va en Amérique du Sud, Tahiti, tout ça, il y avait des Michelin Prêt, tout ça, on s'est beaucoup amusé, on a eu du succès partout, c'était facile, on se baignait, une espèce de vacances éternelles en plus. On descend de l'avion, on prend un taxi, j'arrive à Paris et je vois sur les colonnes Maurice ma pièce Jackie Paradis qui est programmée, donc on était en mars pour septembre. Et là, je n'ai pas écrit un mot, j'avais plein de lettres recommandées chez moi, des appels partout. Et là, je me dis, c'est pas possible, mais comment je fais ? Et donc, j'ai essayé de l'écrire. Et là, impossible, rien ne sortait, impossible. Donc, j'ai commencé à mon frère chez moi, ça marchait pas. Je courais dans la rue, ça marchait pas. Je me suis dit, tiens, je vais acheter le même stylo qu'Hemingway, peut-être ça va me donner des idées. Ça a rien du tout. Je me dis, bon, il faut que je parte à l'étranger. Je prends un avion, je vais à Marrakech, au Maroc, dans un petit hôtel. Rien, rien de rien. Je cours dans la rue en me disant, après tout,
Socrate, les péripatéticiens, ils avaient des idées en marchant, je marche, rien. Je finis par un jeune homme me dit, mais j'ai ma grand-mère qui habite chez les Chleux. Les Chleux, c'était des tribus de la montagne, de l'Atlas au Maroc. J'y vais, je dors sur une dame très gentille, une vieille dame toute maquillée de col, me donne sa case, je dors sur de la terre battue. Bon, rien. Je me dis, bon, bah, je sais pas quoi, je vais me jeter par la fenêtre, je sais plus. Bon. Et je savais pas comment. Je pouvais plus mentir, quoi. Il fallait que j'arrive et je dis, voilà, je vous démentis, etc. Et là, par hasard, un hasard miraculeux, j'ai rencontré un jeune compositeur qui arrivait du Canada, qui était le fiancé d'une actrice que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Carole Laure. Et ce type était Lewis Furet. Ouais. Et à un dîner, il me dit, ça va pas. Je dis, non, ça va pas. J'ai une histoire, je n'avais pas à écrire. Il va falloir que j'aille voir le directeur de la ville, du théâtre de la ville, qui veut qu'il vienne me faire un procès, évidemment, qui a réservé des saisons, une saison pour moi, je ne peux rien faire. Et je raconte l'histoire, le bout d'histoire que j'avais donné un an avant. Et lui, Salamus se met au piano et commence à chanter les trucs autour de ça. Et là, ça a été magique. Ça a été comme tout d'un coup une chose qui... Un petit filet d'huile qui a permis à cette masse serrée. Et petit à petit... Et on a écrit, ça a été assez vite, ça s'est délié. On a fait une comédie musicale qui s'appelait Jackie Paradis. Voilà. Et qui a satisfait Jean Mercure, dont vous vouliez aussi nous parler, parce qu'effectivement, il a introduit en quelque sorte le livre. Oui, mais là, je ne vais pas le lire, mais je peux le raconter. C'était une histoire, le livre en a plein comme ça, mais c'est une histoire. Vous aviez 25 ans. Oui, j'avais 25 ans, on m'avait dit, c'était le directeur du festival de Carcassonne, qui s'appelait Jean Deschamps. C'est en 72-13. J'étais vraiment tout jeune et j'avais écrit quelques pièces. Il m'appelle, il me dit, ah oui, il me faut des jeunes auteurs, je crois que vous êtes un jeune auteur, je vais faire un truc sur la Méditerranée, écrivez-moi un truc sur la Méditerranée, si vous voulez, mais il faut me l'écrire très vite. Moi, très flatté qu'on me demande quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, je lui dis, oui, vous inquiétez pas, j'ai une idée. Bon, et je sais pas pourquoi, dans la nuit, je me réveille, je me dis, mais oui, bien sûr, il faut que je réécrive l'Odyssée. Bon. La mégalomanie à cet âge-là est pardonnable. Et j'écris une Odyssée complètement délirante, mais avec les vrais personnages, sauf que Freud était un tout petit personnage qui avait des toiletteurs, qui tirait la foudre en tirant sur une chasse d'eau. Enfin bon, truc complètement délirant comme ça. Et je lui envoie, j'avais écrit, il y avait 40 acteurs, des décors partout. Je lui envoie, et la réponse ne s'est pas fait attendre. Il m'a insulté pendant une demi-heure au téléphone, en me disant, pour qui vous prenez-vous, etc., etc. C'est zéro, vous, et puis comment, avec quel argent je vais faire ça, vous m'avez bien nu, etc. Bon, bref, j'étais écrasé sous son mépris, mais je garde la pièce. Et quelques jours après, je ne sais pas pourquoi, je passe place du Châtelet à Paris devant ce grand théâtre qui venait d'être construit, théâtre de la Vierge. Je me dis, mais Innocent, c'est là que ça doit être joué. Et c'était Jean Mercure qui... aujourd'hui n'est plus très connu, mais qui était le pape, qui était une sorte de Obama du théâtre, quoi, qui était une espèce de personnage inatteignable. Ça. Et moi, je descends de ma petite voiture, je monte les escaliers, on croit que je le connais bien tellement je suis assuré, j'ouvre la porte de sa secrétaire et je l'ai, elle me dit, mais comment, pour qui vous prenez-vous encore, il faut un rendez-vous avec Jean-Mercure, enfin, elle me vire, mais je lui donne lui quand même le texte. Voilà. Trois semaines après, je suis chez moi, j'habite un petit appartement, le pièce, et on téléphone, et ma femme répond, et un monsieur qui s'appelle Serge Perra me dit, je suis l'assistant de Jean Mercure, et il trouve votre pièce intéressante. Moi, je crois que c'est un copain qui me fait une blague, parce qu'évidemment, il veut se foutre de moi, parce qu'il a entendu, non, pas du tout, c'est ça. Et moi, là, je ne sais pas pourquoi, dans une espèce d'élan... Je ne sais pas quoi dire. Je lui dis, ben, si vous voulez, est-ce qu'il veut venir dîner chez moi? C'est comme si j'invitais le pape François qui m'aurait dit, oui, on peut vous voir. Bon, ben, on va voir. Et finalement, il dit d'accord. Il a dû être surpris. Oui, mais il dit d'accord. Hein, c'est assez étonnant. Donc, toute l'après-midi avec ma femme, on prépare un truc. Elle fait un bœuf bourguignon. Je lui demande que ce soit un chef-d'œuvre qu'on puisse exposer au Louvre après, tellement ça doit être bon. Enfin, un truc... On se prépare,
8h30, il n'est pas là, 9h30, il n'est pas là, il ne viendra jamais, il ne viendra pas, c'est foutu, il a d'autres choses à faire, pourquoi il viendra voir un petit écrivain de 25 ans qui me... Bon. Puis d'un coup, j'entends une voiture, je pense à la fenêtre et je vois sa petite, monsieur, c'était une 205 Peugeot beige, qui s'arrête là et je vois un petit homme, comme ça, en gabardine, nerveux, qui descend, qui rentre dans l'immeuble. Et là, je dis, c'est lui, c'est absolument lui. Donc, je prends ma baisse, je me boutonne, je reboutonne, je reboutonne. Enfin bon, je ne savais pas quoi faire. Et ma femme se dit, bah, bon, on sonne, je ne bouge pas, c'est plus quoi. Bon. Et finalement, ma femme me dit, bah oui. Et alors, j'ouvre. Et là, je vois Jean Mercure sur le palier qui me regarde sans dire un mot. Et je suis un peu pétri comme ça. Et il me dit au bout d'un moment, est-ce que vous avez des papillotes ? Je ne sais même pas ce que veut dire le mot papillote. J'étais prêt à, s'il m'avait demandé de repeindre la Tour Eiffel en bleu, j'y allais immédiatement. Je ne sais pas quoi dire. Et tout d'un coup, je vois qu'il regarde mes pieds. Et dans mes pieds était un chat épouvantable qu'on avait recueilli dans je ne sais quel magasin sur les quais, qui était un chat fou, une espèce de chat fou qui puait, qui était fou, qui était une espèce de Pol Pot mélangé à Artaud, enfin, une espèce de... Qui gueulait, qui criffait, qui nous pissait dessus la nuit. Enfin bon, je sais pas pourquoi se garder cet animal. Mais enfin bon, bref. Et il me dit, vous voyez votre chat. Et il est un tout petit peu, même passablement nerveux. Et pour arrêter sa nervosité, il faut des papillotes. Je sais toujours pas que ce sont des papillotes. Bon, il m'explique que ce sont des petits papillons qu'on coince dans une cordelette. Cette cordelette, on la met à l'angle des murs. Et le chat, après, se détend en jouant avec. Voilà, donc on est tous les trois assis, ma femme, Jean-Mercure et moi, pendant une demi-heure, sans avoir dit un mot encore de quoi que ce soit, dans le couloir, à faire, comme il n'y a pas de papier de soie, on a pris du papier toilette et un peu de ficelle, et on fait des papillotes pendant une demi-heure, avec lui qui nous explique vraiment très très finement la psychologie de l'animal, comment il se détend, que le chat est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de transferts avec l'homme, et ça, bon. Au bout d'une demi-heure, voyant que le truc brûle, le plat brûle, je me dis, je tente un, si on passait à table, ce qu'on fait, et on va s'asseoir à table, dans une petite table, tous les quatre, et à peine est-on assis que le chat arrive et saute sur la table. Je veux le prendre, je veux le jeter, il me fait, oh là, non, surtout pas. Vous voyez, c'est surtout pas, faut parler aux animaux. Et là, vous voyez, vous devez lui expliquer pourquoi il doit faire ça. Alors, il s'approche du chat, et il lui dit, alors dis donc toi, tu vois, pourquoi tu as fait ça? Tu sais que tu n'as pas le droit de... Je sais pas, je supprime ce petit malaise qui monte petit à petit. Et toi, tu as fait ça, c'est pas bien, c'est, tu sais qu'on n'a pas le droit de monter sur la... Alors le chat le regarde, on ronne un peu, et tout d'un coup, se jette sa patte sur lui et lui attrape l'œil, lui plante sa griffe dans la paupière, et on ne peut plus le sortir. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas, panique, ma femme va chercher une boîte à pharmacie, je ne peux pas tirer parce que je me dis l'œil va suivre. Donc petit à petit, on le tient, j'arrive, on devient un chirurgien extrêmement, extrêmement doué tout d'un coup dans la panique, j'arrive à lui enlever la griffe de la paupière, on reste 20 minutes à lui mettre des sparadraps du mercurochrome, ça. Bon, je me dis, voilà, c'est foutu, donc tout est foutu. Et il y en a toujours, ça faisait quand même une heure qu'on était là, on faisait les papillotes, maintenant lui, il était entièrement blessé, on ne pouvait toujours pas parler un mot de la pièce qui, soi-disant, l'intéressait. Bon, je ne savais pas quoi dire. Il fait semblant de dire que oui, non, mais c'est un rapport normal entre l'animal et l'homme, qui parfois ont de l'agressivité, les hommes ont aussi de l'agressivité entre eux, il faut comprendre que les animaux l'ont, etc. Il tente de manger ce qui restait dans son assiette de pommes de terre à peu près, ce qui n'était pas encore brûlé. Je ne sais pas quoi dire. Tout d'un coup, je me dis, tiens, et si je lui parlais d'Ulysse, ce serait pas mal parce que ça ramènerait à la pièce l'Odyssée, Ulysse qui a eu plein d'ennuis, qui a eu plein d'aventures, qui a rencontré. Et puis tout d'un coup, je me suis rappelé du Cyclope et je me suis dit, on ne peut pas, il n'a qu'un œil comme lui. Je lui ai dit, je ne peux pas lui parler du Cyclope, ça va tourner mal. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, j'avais pendant ce temps-là enfermé le chat dans les toilettes. Le chat revient. Là, je me dis, c'est pas possible. Et il ressaute sur la table. Ma femme veut le jeter et Jean-Mercure dit, non. Vous voyez, vous ne comprenez pas encore le chat. Le chat vient nous demander pardon.
Le chat vient me demander pardon. Vous voyez, à la différence des humains qui ne s'excusent jamais, les animaux le font. Donc, et il s'approche de lui en lui disant, alors, tu viens me demander... Moi, l'air devient solide, je me dis, on va... Et tu fais quoi? Tu me demandes pardon ou pas? Et le chat, rac, il lui arrache la moitié de la joue. Et là, je me suis dit, j'étais au bord de mes vannes, je me suis dit, c'est pas tant que ma pièce était foutue, que jamais je ne jouerai dans son théâtre, etc. C'était pas tant non plus qu'on va se taper encore une demi-heure de pansement pour le soigner, etc. Mais j'étais malade que ce type, qui depuis une heure et demie nous faisait une leçon de dompteur de chat, de psychologie, soit défiguré par un pauvre chat qui n'avait évidemment rien écouté ce qu'il disait. Il a vaguement pris, avec ce qu'il lui restait de possiblement mobile dans le visage, une poire pochée à l'égalité de son pochard, et puis, prétextant un rendez-vous tôt le matin, il nous a dit, il faut que je parte. Et on l'a accompagné, tout sanguinolent, avec toi, il a traversé le couloir avec les papillotes, et puis il est parti. Et moi, je me suis dit, j'en peux plus, je vais me jeter par la fenêtre. Et puis, je me suis dit, non, je ne vais pas le faire, parce que si je vais me jeter par la fenêtre, je vais tomber sur lui, je vais le tuer, ça va... Ça va être encore des emmerdements, n'en plus finir. Bref, je ne l'ai pas fait. Et je ne sais pas pourquoi, là, tout d'un coup, ça a été tellement... On n'a pas dit un mot, on n'a pas un mot. Et là, avec ma femme, on a été pris d'un fou rire énorme, on n'en pouvait plus. Et 3 semaines après, je recevais un coup de fil du même assistant qui me dit « Monsieur Jean Mercure a relu la votre pièce, il l'aime beaucoup, nous allons la faire au Théâtre de la Ville. » Comme quoi, je me suis dit, la vie vaut vraiment d'être vécue parfois, même avec un chat complètement fou. Merci. Vous souhaitez lire ? Comment ? Vous souhaitez nous lire un extrait, comme vous me l'aviez proposé ? Ah, si vous voulez, oui, je peux vous lire quelques petits textes pour vous donner un peu l'ambiance du livre. Alors, c'est des histoires qui sont vraies, mais qui sont comme ça mises au gré de l'envie que vous en avez. Alors, il y a quelqu'un, évidemment, qui... Ce livre est aussi un livre, un hymne à l'amitié. Je dois dire que beaucoup de mes amis sont des amis qui m'ont permis vraiment de continuer à marcher dans des moments où, disons, qu'il y avait de l'orage dans ma vie. Et quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, et j'aime assez ça, il m'a dit, tu as fait le portrait de toi à travers les autres, et c'est peut-être un peu vrai. Alors, je vais vous lire une petite anecdote qui est arrivée vraiment... Quand avec Roland Topor, avec qui j'ai travaillé énormément, qui j'écris Palaz, qui j'écris Merci Bernard, j'ai fait des films et des pièces. Et parmi les pièces, on avait écrit une pièce qui s'appelait Bataille. Et on était en train de l'écrire. C'était pendant l'hiver 82-83. Topor avale une gorgée de rouge, pose sa pipe, allume un cigare. Il marche de la fenêtre à la table plusieurs fois. On trouve le titre, Bataille. Une réplique, une autre, une idée, on rit, on raye, on reprend, j'avance, on marche, il note, j'écris, on essaye, on joue, ça vient, je vais pisser, il parle, je réponds, on rit encore, on sonne. C'est qui ? Il va voir. C'est un huissier. Il annonce à Topor qu'il doit aux impôts une somme monumentale. Il fait semblant d'être désolé. Il hésite, se gratte le nez, puis nous demande s'il peut rester. Il aimerait beaucoup assister à une séance d'écriture. Il dit qu'il nous admire. On ne peut rien lui refuser. C'est un huissier. Il fait peur. Il le sait. Il vient réclamer 2 millions de francs à Roland Topor. Impossible de le jeter dehors. Il s'appelle Bellamy en plus. Topor enlève les assiettes avec les restes de jambon espagnol posés sur un fauteuil pour qu'il puisse s'y asseoir. Il nous regarde comme un enfant sage. Il reste l'après-midi entier. On lui offre du vin. À 18h30, il demande s'il peut revenir demain. Il sait qu'on va dire oui. Il nous demande en combien de temps on écrit une pièce, 15 jours. Il soulève les sourcils d'étonnement et sa bouche s'entrouve. Topor précise, vite fait, bien fait, monsieur Bellamy. À demain donc, à demain, monsieur Bellamy. On calcule que s'il enlève 1% de la dette de Roland par heure passée à nous regarder, ça vaut le coup qu'il arrive tôt le matin. Il est resté 10 jours, 10 jours assis sur le fauteuil derrière nous sans rien dire. Vous pouvez parler, monsieur Bellamy, n'hésitez pas, ça ne nous dérange pas. Si vous avez des questions, questionnez. Rien à dire, répond l'huissier, je suis aux anges. Topor et moi, on a trouvé sa métaphore évangélique un peu exagérée, un peu à côté, un peu con-con même.
Ça ne nous a pas rassurés. Le dernier jour, il nous a apporté un paquet de meringues de toutes les couleurs pour nous remercier. Il a dit qu'il venait de passer l'un des plus beaux moments de sa vie. Grâce à nous, il ne regrettait pas d'être huissier, métier dont il avait souvent eu honte. Il pensait même qu'il ne pourrait jamais rencontrer une femme avec qui il aurait pu avoir des rapports. Les femmes n'aimaient pas embrasser les huissiers. Les femmes n'aimaient pas embrasser les huissiers du tout, il le savait, mais maintenant il pourrait séduire. Il dirait qu'il nous connaît. Il allait aussi pouvoir se marier. Il aimerait qu'on soit ses témoins. Il sait qu'on ne peut pas lui refuser. Il fait un petit pas de danse, comme pour nous montrer que, malgré ce qu'on dit, les huissiers ne savent aussi être là où on ne les attend pas. Il nous serre la main et s'en va. Topor referme la porte, on souffle. 2 mois plus tard, Roland reçoit une lettre recommandée du Centre des impôts du 16e arrondissement de Paris. Il était écrit qu'après avis de M. Bellamy, la somme réclamée par l'administration fiscale restait la même, augmentée d'une amende. Quelle horreur! C'est un livre dédié à l'amitié, vous avez dit. Mais il y a, vous évoquez Roland Topor, on vient de le voir, Philippe Corsan, Grimbert, Gérard Garousse, etc. Mais c'est aussi, on croise grâce à votre beau-père, vous avez été en excellente compagnie avec des gens comme Milan Kundera, Queneau, oui. Paul Morand. C'est, oui. C'est assez fascinant. Oui, c'est-à-dire que mon père étant parti quand j'avais 6 ans, ma mère s'est mariée avec un peintre qui s'appelle Jean Cortot, dont les amis étaient en effet Queneau, Kundera, Paul Morand. Mais moi, quand ils venaient à la maison manger, on habitait un petit appartement rue du Bac, et je ne savais pas qui c'était, moi. Je ne savais pas que c'était des écrivains connus, mais ils me faisaient plutôt plus rire que mes copains à la récréation. Que nous, ils avaient des rires, mais extraordinaires. Ils s'étouffaient. On a dit un pachyderme qui allait vagir, qui allait... Ils tombaient par terre comme ça. C'est des gens magnifiques. Et c'est vrai qu'il y avait des discussions, il y avait des comme ça, qui étaient tout à fait étonnantes, qui étaient tout à fait... comme ça, hors du sérieux habituel de ce que ça sont les adultes. Ça a dû vous nourrir, ça, non ? Bah, sans doute. Sans doute. Je vais vous lire un autre petit texte, si vous voulez. Vu, alors je ne veux rien vous imposer, mais j'ai vu qu'il y avait le mot ennui. Je suppose qu'il s'agit de Jacques Dutronc. Ah oui, oui, il y a le texte de l'ennui. Je n'allais pas le lire tout de suite, mais je vous le lis, si vous voulez. Ah non, mais... Si. Moi, je suis très... Au revoir, monsieur. À bientôt. Merci d'être passé. L'ennui. L'ennui, comme toute chose détestable, peut se révéler lorsqu'il est de grande qualité, un mets tout à fait savoureux. Jacques Dutronc, grand amateur d'ennui, avait découvert un endroit à Paris d'une densité d'ennui tout à fait exceptionnelle. Il s'agissait du hall de l'hôtel PLM Saint-Jacques, un 5 étoiles étouffé dans une tour de béton gris. Il s'élevait non loin de l'hôpital Sainte-Anne dans le 14e arrondissement. Il aimait nous y convier, Jacques Villeray et moi, à l'heure du déjeuner, le dimanche, jour rêvé pour s'ennuyer. Première étape, nous pénétrions dans le hall sinistre, lunettes noires sur le nez pour protéger notre anonymat, surtout celui des deux Jacques, et nous allions nous asseoir sur les canapés et fauteuils dont les housses colorées tentaient vainement d'apporter un peu de gaieté au lieu. Et là, tels des explorateurs fascinés par la beauté d'une pyramide maya soudainement apparue dans la jungle, nous regardions, sans en perdre une goutte, le total manque d'intérêt de tout ce qui nous entourait. Jacques Dutronc, qui était de loin le plus connaisseur de nous trois en la matière, nous indiquait parfois d'un signe de tête une situation ou un moment particulièrement ennuyeux qui aurait pu nous échapper. Comme par exemple ce monsieur vêtu d'un manteau en holodène, un daché caisse à la main qui venait de s'asseoir très lentement près de la baie vitrée, le visage immobile, sans aucune expression, ses deux pieds posés à plat sur le carrelage, l'un à côté de l'autre, séparés par une vingtaine de centimètres. Ou les deux dames un peu replètes en tailleur, l'une bécotant un minuscule chien blanc qu'elle tenait sous son bras, tandis que l'autre passait du rouge sur ses lèvres devant la porte d'un ascenseur. Les touristes qui se renseignaient à la réception, les bagagistes poussant leur chariot, une vieille dame assoupie sur un siège, son sac à main sur le ventre, tout n'était que vide. Et platitude, pas l'ombre du plus petit incident qui, sans aller jusqu'à la péripétie, aurait pu l'espace de quelques secondes briser la torpeur du hall. Ce dimanche-là était une cuvée exceptionnelle. Rarement nous avions éprouvé un ennui d'une telle qualité, sans aucun accroc, parfaitement lisse et plat.
Deuxième étape, rassasié, saoulé presque de ce moment fade et indifférent, nous nous installions ensuite au bar du restaurant japonais de l'hôtel face aux plaques chauffantes. Nous commandions rituellement trois homards grillés, non pas que nous ayons une passion particulière pour ce crustacé, mais parce que cela nous permettait d'assister à la performance du cuisinier qui jetait ses bestioles en l'air avec une virtuosité étonnante, les découpant en morceaux avant qu'elles ne retombent sur le grill. Jacques Dutronc l'applaudissait à tout rompre en poussant des sons gutturaux censés être du japonais. Il demandait ensuite au cuisinier s'il était vietnamien. Comme chaque dimanche, il lui répondait qu'il était d'origine d'Osaka. « Peu importe, vous êtes asiatique », lui rétorquait Jacques. « Et moi, j'ai beaucoup fait pour l'arrêt de la guerre au Vietnam. » Il lui racontait alors le court-métrage qu'il avait réalisé. La caméra suivait des pieds qui marchaient sur une vaste carte géographique. Partait de la France, passait en Allemagne, puis en Russie. On les suivait, ils descendaient, marchaient sur la Chine et enfin arrivaient au Vietnam. À ce moment, l'homme dont on suivait les pas s'accroupissait au-dessus de la carte Vietnam et lâchait une flatulence tonitruante. S'inscrivait aussitôt en lettres d'or sur l'écran « Paix au Vietnam ». Dutronc s'écroulait instantanément de rire au point d'en perdre le cigare qu'il venait d'allumer. Le cuisinier japonais s'inclinait plusieurs fois devant Jacques, courtoisie d'autant plus appuyée qu'elle cherchait à cacher qu'une fois de plus il n'avait pas compris un traître mot à ce récit. Troisième étape, nous nous dirigeons en quittant le restaurant vers la boutique de l'hôtel. Là, Jacques Dutronc achetait la totalité des reproductions de la Joconde ainsi que toutes les répliques de la Victoire de Samothrace et autres célébrités grecques du musée du Louvre. Chargé de ce butin qu'il avait divisé en trois, Villeray et moi quittions l'hôtel avec lui et nous placions un peu plus loin sur le trottoir attendant les fous qui sortaient en rang de l'hôpital Sainte-Anne pour leur promenade dominicale accompagnée de quelques infirmiers. Dès qu'ils arrivaient à notre hauteur, nous distribuions à chacun qui une Joconde, qui une statue de Zeus, qui une Nefertiti. Les aides-soignants nous laissaient faire et les manementaux acceptaient sans crainte ces cadeaux, conscients que nous étions des leurs. Nous nous séparions vers 17h en nous donnant rendez-vous le dimanche prochain. Chacun partait de son côté, sachant que nous allions traverser une semaine loin du PLM Saint-Jacques, pendant laquelle, hélas, nous risquions de nous ennuyer cette fois pour de vrai. Alors, il y a ce que j'appelle des petites miettes. C'est-à-dire que les récits sont coupés de petites choses brèves. Alors voilà, je vous en lis, c'est plus court. Mère porteuse, ma mère me porta pendant 9 mois, puis continua. Dès que le poids de la ville me faisait trébucher. Il lui arrivait aussi de tomber, le chagrin, l'anxiété. Alors je la portais, mère porteuse, fils porteur. Nous avons dansé l'existence avec beaucoup d'affection et de tendresse. Roland Dubillard, nous nous sommes dit tant de choses avec Roland Dubillard quand des heures entières rue du Bac, dans son salon, nous ne nous parlions pas. Coca-Cola. À 7 ans, j'ai lancé par la fenêtre de ma chambre une bouteille de Coca-Cola. Nous habitions au 12e étage. Des dizaines de badauds marchaient dans la rue. Personne n'a été tué. Pourquoi dit-on tant de mal du Coca-Cola ? De Gaulle et moi. Je garde quelque part chez moi, dans une boîte fermée, une petite photo jaunie au bord d'Antelée. Elle est datée de l'été 47. Ma famille paternelle est réunie devant la maison de mon grand-père, hors 10 ans, dans les Hautes-Pyrénées. Je n'ai pas un an. Je suis dans les bras de ma mère qui en a 18. Mes jeunes oncles et mon père sont là entourant le général de Gaulle, venu saluer le père de mon père qui s'occupait d'un réseau pendant la guerre, chargé de faire passer en Espagne ceux que poursuivaient les nazis. Les deux seuls sur la photo qui ne regardent pas l'objectif sont de Gaulle et moi. Il ne l'a pas signalé dans ses mémoires, je me devais de le dire. Je voudrais juste, dans les propos brefs, ce dont vous vous félicitez et ce dont je vous félicite, c'est toute flatterie à part, vous avez fait connaître les écrits d'Alexandre Vialat à Pierre Desproges. Oui. Dans quelles circonstances ? Je dînais chez lui un jour et on parlait d'écrivains comme ça, mais je lui ai dit, mais ce que tu me dis me semble être
exactement l'humour de Vialat. Tu connais pas Vialat? Et il m'a dit non, et je lui ai apporté l'almanach. Il en a parlé souvent après. Ah oui, oui, mais je vous assure, c'est moi qui lui ai fait connaître. Ouais. Mais je pense que des proches sans moi n'auraient pas été grand-chose. on a travaillé ensemble pas mal, vous savez. Vous voulez que je vous dise encore un texte ou deux? Oui. Bon. Je vais vous lire un texte. Grâce à ma chère collaboratrice assistante Virginie qui est là et qui est une adoratrice de Toulouse, j'ai un petit texte de Toulouse que je vous lirai tout à l'heure. Alors, je vais vous lire un... Je vais vous lire un texte, je vous lis encore un ou deux textes assez drôles, après je vous dirai des textes un peu différents. Vaudeville, 1978-1983. Le grand amour est indicible. Il faudrait tremper son corps entier dans l'encre pour l'écrire. Aucun mot n'est assez vaste pour compter ses joies et ses douleurs. Le récit d'une passion n'est que la peau morte de son vécu. Le seul amour dont on peut parler sans en perdre une goutte est celui qui nous a ridiculisés. Feydeau en fit son œuvre. J'en ai été victime par deux fois. Je garde toujours en poche ces deux histoires qui me permettent d'amuser la galerie à mes dépens quand la conversation s'assoupit. Plutôt rire de moi que m'ennuyer avec tous. J'ai rencontré eux dans un bistrot non loin des Champs-Élysées, comédienne et scénariste fort belle de surcroît. Nous nous étions déjà croisés plusieurs fois. Nous discutons longtemps autour d'un café, oubliant l'heure, comme si nous en avions besoin. Elle rit souvent, moi aussi, nous nous plaisons. Elle accepte un dîner, restaurant indien, elle n'aime pas les plats épicés, moi pas. Elle aime les plats épicés, moi pas, enfin une différence. Elle habite tout près de la place Maubert, moi aussi. Je la raccompagne, embrassade soudaine devant sa porte. Nous passons la nuit ensemble. Elle vit dans un petit deux pièces sous les toits. Elle m'avoue le matin être sur le point de se séparer de R, comédien, producteur, mais le moment est mal choisi car ils sont en train de préparer un film qu'elle a écrit. De plus, il est très amoureux et jaloux, comme un tigre. Ils vivent chacun de leur côté, mais elle préfère attendre la fin du tournage pour porter les stockades. Elle m'assure que cela n'empêche en rien nos rendez-vous nocturnes qui deviennent réguliers. À l'aube, un matin de printemps, nous sommes réveillés en sursaut par des coups d'une invraisemblable violence frappés à sa porte, heureusement blindée. La voix de R résonne, des hurlements plutôt. Il demande qu'elle lui ouvre, panique ou m'enfuir. La seule issue pour sortir de l'appartement est justement la porte derrière laquelle rugit R. Ni cagibi, ni placard, le lit est à même le sol, pas possibilité de s'y glisser dessous. Les coups redoublent, je suis à poil, c'est foutu. C'est foutu. J'imagine déjà le nombre de baffes que je vais recevoir. Eux lèvent les yeux vers le toit, un éclair, dernière chance, le vasistas. J'attrape mes affaires, grimpe sur une chaise, ouvre le vasistas et me hisse sur le toit tout en fermant la vitre d'un coup de pied. Me voilà assis sur les ardoises du toit pentu de ce vieil immeuble, nu comme un ver, serrant ma chemise et mon pantalon contre moi, les yeux fixés sur la petite vitre du vasistas dont je me suis éloigné pour ne pas être vu par R. Je perçois les cris. Comme l'a chanté Jacques Dutronc, Paris s'éveille. J'entends les commerçants installer leurs échoppes place Maubert. C'est le jour du marché. Dans l'immeuble d'en face, une vieille dame apparaît soudain à sa fenêtre. Elle me découvre, à cheval sur le faîtage où je me suis installé pour assurer mon équilibre sans avoir pu m'habiller. Elle reste un instant interdite, puis me sourit en faisant un geste amical de la main, presque complice. Cette aventure a peut-être dû lui arriver. Deux étages au-dessus, un grand type apparaît torse nu dans sa salle de bain. Il m'aperçoit, s'affole aussitôt, ouvre sa fenêtre, me demande si je veux de l'aide. Il va appeler les pompiers. Je le supplie avec un art du mime très improvisé de ne pas crier, terrorisé à l'idée que R l'entende et tente de lui faire comprendre que tout va bien. Je lui souris, je lui montre du doigt le soleil qui se lève. Je lui chuchote que je suis juste là pour en prendre un bain. Il referme sa fenêtre en me considérant visiblement comme un extraterrestre. Une heure et demie plus tard, transi de froid, je constate impuissant que la presque totalité des habitants des immeubles voisins sont en train de me regarder. Les uns riant, les autres me saluant, un jeune homme intrépide me propose même de m'apporter un café
en grimpant sur les cheminées reliant le sommet de son immeuble à mon toit. J'essaye comme je peux de me cacher mon visage sur lequel une jeune fille du second vient de pointer un téléobjectif. Je finis même par croire que le brouhaha du marché qui monte jusqu'à moi, ponctué par les aboiements des commerçants vantant leurs légumes, fruits, viande, poissons, ne sont que des moqueries d'une foule qui m'a repéré. Aurais-je fait le mauvais choix ? Quelques bons coups de poing de air dans ma gueule n'auraient-ils pas été un supplice à la fois plus rapide et moins éprouvant que les 4 heures et demie passées à grelotter sur ce toit, le cul à l'air devant une partie de la population de mon quartier ? Le vacistas s'ouvre enfin. E me fait signe de rentrer. R s'en est allé. Elle rit, moi pas. Je jure de ne plus jamais dormir ici, même si le corps de déesse de E me donne un vertige équivalent à celui qui m'a plongé dans la terreur en haut de son toit. Une semaine plus tard, j'achète de la viande à l'excellent boucher qui installe son étal tous les mardis à l'angle de la place Maubel. Juste avant de payer, le patron, enveloppant mon entrecôte, me dit « J'ai de très bonnes rillettes, monsieur Reed, des rillettes du Mans, vous devriez les essayer. Ça donne de l'énergie et ça tient chaud au corps, recommandé surtout quand on fait de l'alpinisme. Il me fait un clin d'œil et la caissière étouffe un rire. Je deviens plus rouge que la bavette qui pend derrière elle. » Toulouse. Ah, Toulouse, c'est un très beau Toulouse. Jacobin. Je regarde ébloui cette demi-douzaine de palmiers immenses dont les troncs de pierre rose soutiennent de leurs palmes en briques la voûte de l'église du cloître du jardin, de l'église du cloître des Jacobins à Toulouse. Comment est-il possible qu'au XIIIe siècle, nous soyons à ce point avancés dans l'art de construire, si inventifs pour se défaire de la pesanteur, si créatifs pour engendrer grâce et beauté avec une architecture faite seulement de roches. Il saute aux yeux que la nef de ce lieu de culte a nécessité un savoir bien plus élaboré et subtil que celui qui permet la construction de l'Arche de la Défense ou de l'ignoble Tour Montparnasse. Comment donc est-il possible que ce XIIIe siècle, si habile à bâtir, au point d'échafauder ses rêves de pierre, ait été à ce point en retard pour les soins dentaires, la machine à coudre ou le moteur à explosion ? Pourtant, beaucoup plus aisé à mettre au point qu'un clocheton de cathédrale. A-t-il fallu que l'homme ait peur de Dieu pour lui consacrer son génie tout entier ? De combien de siècles la foi a-t-elle retardé la fusée Ariane pour construire Notre-Dame ? Et à propos de religion, vous racontez aussi l'épisode de Golgotha Picnic. Ah oui, là je sors, j'étais en tribunal correctionnel il y a peu de temps, oui. Golgotha Picnic, on a été, ça, mais ça c'est, si ceux qui veulent lire le livre, ça c'est écrit dans un moment dans l'hôpital. Oui, au Théâtre du Rond-Point, on est plutôt un théâtre libre qui accepte la sensibilité des poètes d'aujourd'hui et librement, etc. Et c'est vrai qu'on a été, quand on a fait la pièce Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia qui s'est jouée ici à Toulouse aussi chez Jackie Wayon, comme vous le savez, après on l'a fait, nous on a eu 400 CRS qui nous ont protégés pour la jouer. J'avais d'ailleurs des remords parce que ces mêmes CRS sur qui on jetait des pavés en mai 68 étaient là gentiment et nous protégeaient, nous qui leur avions jeté des pavés. Et je me disais par moments à regarder de près le CRS, c'est quand même souvent attendrissant. Oui, alors on avait des espèces d'hystériques totalement comme ça, intégristes qui 500 qui nous menaçaient, qui marchaient traînant des croix à genoux avec des couronnes d'épines sur la tête en chantant pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan. Pas mal, c'était un théâtre assez amusant qui se faisait à la fois à l'extérieur du théâtre et du nom. Le problème c'est qu'ils chantaient faux, mais sinon c'était pas mal. Donc ça a été toute une aventure, mais je ne veux pas la raconter, c'est trop long. On ne peut pas tout raconter. Et si j'ai bien compris, il y aura un autre livre consacré au Théâtre du Rond-Point. Ah oui, à l'aventure du Théâtre du Rond-Point. Ça, c'est une aventure tellement extraordinaire, tellement contre tous les pronostics, tous les vents. Il y aura une aventure. Ça, il s'est passé des choses à peine croyables pour que cet édifice consacré aux auteurs vivants puisse vivre. Je vais vous lire... Qu'est-ce que je vais vous lire ? Oui, je vais vous lire un...
Ah oui. Je voulais... Alors, je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup... Je suis pas... Je suis plutôt laïque. Je n'ai pas beaucoup de... Comment dirais-je, de philosophie, de religion, d'idéologie, mais ça, c'est une chose qui m'importe beaucoup et sur laquelle, une histoire sur laquelle je m'accroche quand je ne vais pas bien. Ça s'appelle Les deux souris. Le gouffre, l'angoisse, perdre pied. Pardon, le gouffre, l'angoisse, perdre pied quand je tombe, m'effondre, quand les larmes me noient. Ni Bible, ni poème, ni croyance ne me secourent. Pas de religion à laquelle m'agripper, ni méditation, ni amulette, ni aume, ni baume, ni pilule pour arrêter ma chute. Pas de Freud en bouée, pas d'anis, pas d'amour, pas d'amis. Rien pour revivre. Seule une histoire que me racontait ma grand-mère me ressuscite. La voici. Il fait nuit. La cuisine est plongée dans une obscurité, brisée par un trait de lune, il blanchit les restes d'un repas sur une table en bois. À l'angle d'un placard, deux souris surgissent. Elles sont déjà grimpées sur la table et rongent, grignotent, avalent miettes de pain, croûte de fromage, peau de poulet. Une grande jatte de lait borde une pile d'assiettes sales. Elles s'y précipitent. Les deux souris y plongent, se baignent, se désaltérant de lait. Repues, gavées, gavées même, elles décident de retourner sur la table. Le niveau du lait a baissé tant elles en ont bu. Il faut remonter et remuer vivement les pattes pour atteindre le rebord du récipient et s'en extraire. Mais la paroi est lisse, elle glisse, s'élève et retombe. À bout de souffle, aucune aspérité où accrocher leurs griffes. Elles moulinent pattes arrière comme pattes avant, mais rien n'y fait. Elles restent à mi-corps dans le lait. Repos. Elles reprennent haleine et pédalent à nouveau, accélérant jusqu'à l'épuisement. Aucune adhérence. L'espoir de sortir s'éloigne. Encore une fois, elles s'élancent. Impossible de s'extraire du pot où elles pataugent en vain. L'une des deux, exténuée, abandonne son amie. Elle se laisse couler et se noie. L'autre refuse le destin. Avec ce qui lui reste de race, sans savoir ni comprendre pourquoi, elle continue à battre des pattes. À l'instant où elle perd connaissance, elle sent une glu sous ses griffes, une patte molle qui durcit un peu. Battue et rebattue par son désir de vivre, le lait est devenu du beurre. Elle quitte le pot, bondit sur la table, saute sur le sol et s'enfuit chez elle. Ce petit conte, je l'ai toujours en poche. Combien de fois il m'a permis d'éviter la noyade dans une réalité, aux parois si désespérément lisses. Merci. Oui. Si vous avez des questions, là je vois l'heure qui tourne. Il y a un micro, Christophe doit être par là. Oui, donc il vous suffit de vous manifester, ben, voilà une première question. Bonjour, c'est bonjour. Simplement pour vous demander la... référence de regarder la réalité en farce du Belge. C'est une phrase qu'a prononcée un surréaliste belge qui s'appelle Louis Scutner. Il a écrit des livres d'aphorismes où il y a cette phrase. Scutner, S-C-U-T-E-N-A-I-R-E. Oui, bonsoir. Bonsoir. Rassurez-moi, l'infirmière de Civitas qui vous a soigné à l'hôpital, c'est un rêve ou une réalité ? Non, c'est une absolument réalité. Ah oui ? C'est une réalité. Vous avez lu le livre, vous, déjà ? Oui, oui, oui. Oui, c'est une réalité. J'ai eu très peur pour vous. Oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai eu très peur. Oui, oui. Moi aussi, j'ai cru que c'était un rêve, cela dit. Non, ce n'est pas du tout un rêve. C'est pas du tout un rêve. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis réveillé dans le noir et c'est cette femme qui était seule dans ma chambre d'hôpital, qui était là uniquement en remplacement. Donc j'ai cru qu'elle allait vraiment me tuer. Elle était là 15 jours et voilà. Il m'avait loupé à Nancy déjà en m'agressant. Je lui ai dit, envoie quelqu'un à l'hôpital et j'ai cru vraiment, surtout que je ne pouvais pas bouger, j'étais plein de tuyaux partout, j'ai cru vraiment que c'était fini. Je
Peut-être moi, je peux vous poser des questions. Si vous... Oui. C'est pas obligé, je peux vous lire un autre truc hein, si vous voulez pas poser de questions. Non, oui, quand même. Bah, allez-y. Je lis un autre. Vous voulez que je lise encore un texte ? D'accord. Alors. Et si ça ne vous ennuie pas, ensuite nous parlerons effectivement de la vie parisienne. Ça, c'est croquignolé. Oui. Demain. Je ne me suis jamais vu demain. Enfant. J'aime ou voulais être pompier, maréchal de France ou footballeur. Le futur à entendre les autres devait exister, mais je n'en faisais pas partie. Les stratégies pour réussir plus tard m'étaient étrangères. Je n'apercevais aucun chemin qui menait quelque part, ni comète sur laquelle j'aurais pu tirer des plans. Le temps passait sans que j'en devine la suite. L'avenir n'était pas bouché, simplement il n'existait pas. Même si confusément, je savais qu'il allait me tomber dessus un jour ou l'autre et que je devrais en faire quelque chose. Mais quoi ? Peut-être simplement continuer à me dépatouiller jour après jour avec ces longues heures souvent pleines d'angoisse et d'ennui en cherchant à en rire. Tout ce que j'ai pu vivre ou faire jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été le fruit d'une préméditation ni d'une tactique ou de je ne sais quel plan de carrière. Cela m'est arrivé, voilà tout. Sans doute le résultat d'un présent où fermentaient mes souhaits et mes désirs, peut-être même mes rêves. Les meilleures choses que j'ai vécues comme les pires, les quelques succès que j'ai rencontrés ne me sont jamais apparus comme la gratification d'efforts accomplis pour atteindre un objectif. Je n'ai jamais eu d'objectif, sinon de parvenir à vivre chaque jour le moins douloureusement possible. C'est peut-être cette agitation pour ne pas sombrer dans la mélancolie à laquelle je dois d'avoir fait ce métier de théâtre. Pourtant, ce lendemain que je n'ai jamais envisagé vient pour la première fois de m'apparaître à l'âge de 67 ans. Une date lue dans un journal d'économie qui annonçait la façon inéluctable d'une faillite mondiale, 2050. Et j'ai soudain réalisé que je ne serais pas là pour vérifier les chiffres de cet universitaire. Ce monde, après tant de jours passés en sa compagnie, cette planète à laquelle je commençais enfin à m'habituer allait me virer. N'avoir jamais eu conscience de l'existence du futur en avait occulté le possible arrêt. Les choses que l'on ignore n'ont ni commencement ni fin. Cette date déchirait le voile qui me cachait depuis toujours l'avenir. Pour une fois que je l'apercevais, c'était pour ne jamais l'atteindre. Ma vie avait soudain une perspective, son terme. J'ai donc vécu immortel jusqu'au jour où demain est apparu. Merci. Oui, la vie parisienne, alors c'est beaucoup moins grave, hein, mais on découvre un niveau de temps très surprenant. Bah, oui, non, mais c'est alterné, là. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a des définitions. Des petites miettes, je dis au passage, tragédie. La tragédie, c'est d'être encore jeune quand on est vieux. C'est la vôtre, ça ? Ouais. Oui. Parce que, franchement, moi, j'ai 14 ans quand même. C'est pas plus. Alors évidemment, ça se voit pas physiquement, mais le reste, à l'intérieur, c'est 14 ans et demi, disons, mais pas plus. Dieu est sans doute l'invention d'une bande de trouillards qui avait peur dans le noir. Voilà. La vie parisienne, 1991. Yves Montand a réfléchi. Il veut que nous évoquions une fois de plus le rôle du baron dans La vie parisienne d'Offenbach, dont l'adaptation cinématographique produite par Daniel Toscan-Duplantier et Christian Fechner, pour la première fois associée, doit être tournée avant la fin de l'année. Sans doute épuisé par leurs deux derniers metteurs en scène, Léos Carras pour Fechner, qui venait de produire Les Amants du Pont Neuf, et Maurice Pialat pour Toscan Duplantier, qui l'avait accompagné jusqu'au bout du Soleil de Satan, les deux producteurs cherchaient un projet qui les réconcilie avec la gaieté de la vie. À ma grande surprise, ils m'ont demandé d'en assurer la réalisation. L'aspect comédie musicale filmée de Palace et ma récente mise en scène
du Pont des Soupirs, du même Offenbach, au Théâtre de Paris, les ont probablement orientés vers ce choix qui, bien sûr, m'enchante. Catherine Deneuve et Yves Montand sont pressentis pour interpréter le baron et la baronne. Montand est immédiatement séduit par le projet. L'idée d'interpréter un rôle chanté de bout en bout l'excite beaucoup. Première rencontre, chez lui, Place Dauphine, Christian Fechner m'accompagne. Chaleureux, le verbe haut, il nous félicite de lui avoir apporté ce rôle. En toute honnêteté, il ne voit pas qui pourrait l'interpréter à part lui. Il ne connaît pas bien Offenbach, mais ça ne lui fait pas peur. Il a tout chanté et peut tout chanter. Il souhaite que nous puissions nous rencontrer régulièrement pour que je lui donne ma vision du film et surtout de son rôle. Mais comme on peut aisément l'imaginer, Simone Signoret n'étant plus là, il doit gérer les tracas du quotidien, dont la belle casque d'or, le protégé de son vivant, et cela réduit de beaucoup sa disponibilité. Nous parvenons néanmoins à fixer 3 ou 4 rendez-vous. Le premier dans son entier a été consacré à l'actualité et plus précisément aux nombreux conseils que Montand venait de donner à François Mitterrand pour la gestion de la guerre du Golfe. Tu comprends bien que je l'ai fait de président à président, me précise-t-il au cas où j'aurais oublié qu'un sondage avait annoncé il y a peu que s'il se présentait à la fonction suprême, 36% des Français lui apporteraient leur suffrage. « Tu vois, je lui ai dit, poursuit-il avec un sérieux ensoleillé par son accent du midi, si tu envoies des mirages, gaffe à leur autonomie, ils n'ont pas leur réservoir assez gros pour les emmener jusque là-bas, pense à envoyer des avions de ravitailleurs. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. » Il accompagne le récit de ses conversations avec Mitterrand, de gestes appuyés qui soulignent l'évidence, l'évident bon sens de ses propos, qui a sans doute permis au président de la République d'éviter nombre d'erreurs dans son combat contre Saddam Hussein. Quelques jours plus tard, le deuxième rendez-vous tourne autour de cette histoire de vie parisienne, qu'il trouve amusante, mais tout de même un peu décousue. Le troisième rendez-vous est annulé, nous voici au quatrième, je viens de terminer la dernière version de l'adaptation et la lui rapporte. « Ah, je suis content de te voir, fils, me dit-il, à peine je passais le pas de ta porte, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi à notre histoire. Pose-toi, je vais t'expliquer. » Je m'assois sur le canapé. Tu vois, je crois que ce qui ne va pas dans cette opérette, car on est bien d'accord, c'est une opérette, je rectifie, un opéra bouffe plutôt, il accepte, si tu veux, eh bien, ce qui ne va pas dans cette opéra bouffe, attention, je ne dis pas d'une manière générale, je dis par rapport à notre époque, ce qui ne colle pas, c'est tout simplement la musique. Yves, vous n'avez pas bien écouté, je l'interroge à Uri, c'est un chef-d'œuvre que l'on chante de Tokyo à Buenos Aires. Peut-être, mais moi je ne te parle pas de l'étranger. Je te parle de notre époque, c'est-à-dire des jeunes. Et si tu sais, tu le sais, si quelqu'un connaît la jeunesse, c'est mon temps. Ils aiment quoi les jeunes? Le rock, tu vois? Il suffit qu'on remplace juste cette musique un peu vieillotte par du rock et on fait un carton chez les jeunes. Je tente un utile argument. Yves, enlever la musique de Offenbach de la vie parisienne, c'est un peu comme si vous vouliez interpréter Cyrano de Bergerac sans son nez. Il exulte. C'est exactement ça, petit. Tu as pigé. Il est moche et vieux, son nez. Et attention, regarde ce qu'il peut faire, le père Montand. Il se contorsionne alors autour d'une guitare imaginaire, lançant des onomatopées sur un rythme saccadé, il se balance, avance, recule, fait le tour de la pièce, saute par-dessus la table basse, il est debout sur le canapé, il fait mine de lancer son instrument au-dessus de lui, le rattrape, virevolte, tombe à genoux, pinçant très volontairement ses cordes, imite les percussions pédales Charleston, caisse, clair, cymbale, se bouscule entre ses lèvres, il est en transe, c'est le final, il se plie sur sa guitare, bondit et se prend les pieds dans ceux d'un petit meuble, perd l'équilibre et s'écroule de tout son long dans la cheminée. Je me précipite. Ça va, Yves, vous n'avez pas peur? Je l'aide à se relever, son visage est couvert de suie. En sueur, il me regarde avec un sourire de vainqueur. Tu as eu, petit, ça déménage, non? On me raconterait cette petite histoire, j'aurais probablement du mal à y croire, pourtant elle est exacte au mot près. J'entends encore, aujourd'hui, mon temps me parler, j'entends ses agacements, ses exaspérations, ses démonstrations que je reconstruis ici comme s'il était là, tant sa voix résonne encore dans ma mémoire.
Après quelques journées passées en sa compagnie, je me suis demandé si mon temps n'était pas un crétin hors limite, dont le charme, la beauté et le talent exagérés par son Italie natale transformaient l'invraisemblable stupidité de ses propos en sympathique galéjade qui augmentait l'affection que tous lui portaient. Non, à bien y réfléchir, comme il disait le faire souvent, Yves Montand, dont la candeur naïve... Yves Montand n'était pas un crétin, c'était un idiot. Un de ces idiots dont la naïve candeur les protège des bruits du monde. Libre dans son village, libre de rêver, libre d'inventer ce qu'il n'a jamais été, seuls les idiots sont d'authentiques artistes. Montand était libre de rappeler au président de la République de ne surtout pas oublier les avions ravitailleurs, libre d'être l'ami de Georges Saint-Proun, d'avoir aimé passionnément Simone Signoret sans refuser son cœur à Marilyn Monroe après l'avoir donné à Piaf, libre d'avoir été communiste et joueur de poker à la Colombe d'Or, d'être l'immense acteur de Z de Costa Gavras et de se souvenir des réfugiés chiliens, victimes de Pinochet en organisant pour eux un concert à l'Olympia, libre enfin de vouloir chanter la vie parisienne en rock'n'roll. Accompagné de mon assistant, j'ai passé l'été à courir dans Paris pour repérer les lieux évoqués par Méliac et Alivi, les auteurs du livret de la vie parisienne. Nous les avons trouvés. Les endroits de fête sont immortels, la préparation avançait pour le mieux, la distribution se précisait, tout le monde voulait en être. Via ma mère qui connaissait la sienne, je reçus une longue lettre et des photos d'un jeune acteur inconnu nommé Édouard Baird qui rêvait de jouer Bobinet. Nous devions commencer le tournage en novembre, deux ou trois semaines après la fin du film Hippèse de Jean-Jacques Benex, dont Montand était la vedette. Le lendemain de la dernière prise de vue, Montand est pris d'un malaise. Il meurt à l'hôpital, heureux d'avoir eu la chance de vivre sa vie. La vie parisienne ne survit pas à l'arrêt de la sienne. Offenbach échappa au palais des sports et à la guitare électrique de Montand. Après tout, c'est peut-être dommage. Merci beaucoup. On va s'en tenir là, même si la discussion peut se prolonger autour des livres que Jean-Michel Ribes fera une joie, j'imagine, de dédicacer. Il y aurait encore beaucoup à dire. On n'a pas parlé de politique, il y en est question. On n'a pas parlé de Cary Grant, on le croise dans ses pages. Bref, rendez-vous directement dans le livre ou auprès de Jean-Michel Ribes dans le hall. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.